à toutes et à tous, c'est Pierre Max, votre poulpe rouge préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Redstone sur un portail de téléportation. Évidemment, il faudra les command blocks, donc ça ne marche pas en multi si vous n'êtes pas administrateur du serveur. Mais en tout cas, c'est très simple, je vais vous montrer. Donc là, pour l'instant, si je vais dans le rouge, ça fait rien, il n'y a rien du tout. Je vous montre derrière. Voilà, par contre, le bleu, on va pouvoir interagir avec le bleu. On va dire que quand je rentre dans le bleu, je suis téléporté au portail rouge. Donc en fait, on a un système de command block qui vérifie la position du joueur. Et selon sa position, il le téléporte à la position qu'on a décidée. Alors pour ça, je vais avoir besoin de ces blocs-là, ou ces matériaux. Donc ici, on a le hopper, le comparateur, le bloc de commande, un levier. Bon, le levier est facultatif, c'est si vous voulez désactiver le système. Ensuite, vous avez donc trois blocs différents, ou un bloc pareil, enfin un bloc le même, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc là, moi, j'ai pris un bloc bleu, un bloc rouge et un bloc jaune. Et je vous expliquais tout d'abord le hopper. Alors, pourquoi on a pris un hopper? Donc, évidemment, il vous en faudra deux. Donc, je vais prendre d'abord les systèmes ici, voilà. Donc pour le hopper, il y a un système très simple avec une horloge. Donc là vous faites ça d'un côté et ici de l'autre. Donc vous voyez que le bloc... Alors, je vais prendre le bloc jaune, j'ai oublié. Voilà. Vous allez voir que si je mets un bloc, et ben en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va aller dans les deux blocs. Là, il va aller dans le hopper. Il va rentrer dans le hopper, puis re-rentrer dans l'autre, puis re-rentrer dans l'autre, puisqu'on peut voir qu'ici, ils sont liés. Si je me mets ici, voilà, on voit le bloc qui passe d'un hopper à l'autre. Si je mets un levier, hop là, pardon, faut se mettre en sneak. Voilà, si je mets un levier, normalement le bloc reste dans celui-là. Et si j'avais fait, pardon, excusez-moi, si j'avais fait ça et que j'active lui, il va rester dans ce... Ah oui, pardon, j'ai pas activé le levier, c'est normal. Le bloc reste ici. Donc quand on met un levier, ça active le hopper qui désactive la transmission des objets dans un autre container. Donc ce que j'appelle container, ça va être le four, un coffre, un minecart avec coffre, un minecart avec four, ou tout simplement un autre hopper. Le principe est très simple. Si je mets un comparateur ici, vous allez voir que le bloc, en fait, une fois qu'il arrive ici, vous voyez qu'en même temps qu'il arrive dans le hopper ici, il active le comparateur. Le comparateur nous donne l'information qu'il y a un objet ou plus, ou que le hopper est plein. Et d'ailleurs, selon le nombre d'objets dans un hopper ou dans un coffre, vous avez une puissance différente sur un fil de redstone. Vous allez voir que nous, on n'a pas besoin de fil de redstone, tout simplement parce que le hopper, on va le mettre, le bloc de commande, on va le mettre directement à la sortie du hopper, du comparateur, pardon, qui est ici. Et là, maintenant, si je mets une commande dans ce commande bloc, vous voyez que là, ça se met en pause de jeu. Si je mets une commande dans ce commande bloc, la commande va être exécutée puisque nous, le signal de redstone s'applique au commande bloc qui est ici. Donc si je mets une commande ici, elle s'appliquera en boucle tous les 1 tick apparemment, parce que vous voyez que ça clignote assez rapidement. Voilà, donc pour l'instant on va le désactiver. Voilà, vous voyez que le commande bloc normalement n'exécutera aucune commande, puisque là on n'active plus du tout le commande bloc. Maintenant, comment ça marche? Donc on a mis une commande dans ce commande bloc, excusez-moi, qui va nous permettre en fait de téléporter le joueur le plus proche, ou les joueurs les plus proches, puisque là vous voyez que j'ai utilisé le paramètre A. Le paramètre A signifie tous les joueurs. Et après on va lui appliquer une condition. La condition c'est qu'il faut qu'il soit aux coordonnées moins 1555, à la hauteur 56, donc la hauteur c'est là où je marche, voilà, là je suis à la couche 56. Puis en Y, il faudra qu'il soit en moins 864. S'il n'est pas dans ces coordonnées-là, la suite de l'instruction qu'on lui a demandé, donc l'instruction c'est de le téléporter à ces coordonnées-là, voilà, qui sont ici, si la condition ici n'est pas validée, on n'exécute pas la commande. Et pour terminer, j'ai mis un rayon, puisque le rayon 1, en fait, ça va agir, donc je vais prendre un bloc pour vous montrer, voilà. Voilà, donc on veut par exemple que quand j'arrive ici, je sois téléporté. Le problème c'est qu'avec le rayon, si on n'en met pas, ça ne marche pas. Ça va prendre tout le rayon, enfin je sais pas exactement combien de rayons ça prend par défaut, mais en tout cas il vous faut obligatoirement mettre un rayon, donc de 1, obligatoirement, ou de 2, mais de 2 évidemment ça interagira ici,
Voilà, mais nous on veut pas ça. On veut uniquement être ici. Et le problème si vous mettez un rayon 1, c'est que si vous arrivez dans votre portail ici, la téléportation commencera également ici ou ici. Ou évidemment là, ici ou ici. Donc c'est un problème. Donc ce qu'on fait, c'est que si votre portail il est ici, ça déjà on l'enlève, mais vous prenez la position qui est ici. Là exactement. Donc pour faire ça, vous faites F3. Et vous voyez, par exemple, vous écrivez moins 559, la couche 56, et moins 848. Vous voyez que là, j'ai pris ces valeurs-là. Il ne faut pas prendre ces valeurs-là, ce sont des valeurs détaillées. Il faut prendre les valeurs arrondies. Donc vous prenez les valeurs qui sont entre parenthèses pour le X et pour le Z. Donc là, on voit 1560. Et ici, on prend moins 849. Donc, je récupère cette valeur-là, j'enlève le F3. On va retourner dans notre hopper qui est ici, dans notre commande bloc qui est ici, et on va commencer à écrire la commande. Alors la commande pour une téléportation en vanilla, vous faites slash tp, ou vous n'êtes pas obligé de mettre de slash, mais par défaut moi je les mets parce que c'est, pour moi c'est, je m'y perds moins, enfin voilà, c'est plus une habitude qu'autre chose. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que j'utilisais le paramètre A qui permet de téléporter tous les joueurs. Si vous le faites en multi sur un serveur, donc évidemment, il vous faudra posséder un command block et être en créatif pour pouvoir le modifier. Ou être OP, je ne sais plus comment ça fonctionne. Donc ça va téléporter tous les joueurs. Pourquoi tous les joueurs? Parce que si vous faites slash P, à chaque impulsion, donc l'impulsion, ce que j'appelle l'impulsion, c'est, vous voyez là, il fait une impulsion, une impulsion, une impulsion, une impulsion, une impulsion, etc. etc. Si vous faites un slash P, enfin l'instruction, le paramètre P, il va téléporter un joueur à la fois par tick, enfin par impulsion. Ça va être très long. Alors l'avantage avec le paramètre A, c'est qu'il va téléporter tous les joueurs sur la position que vous avez définie. Donc s'il y a trois joueurs qui arrivent en même temps, il va pas téléporter un joueur à la fois pendant trois impulsions. Il va téléporter tous les joueurs à la même impulsion. Et ça, c'est un avantage. Donc en faisant slash tp, on va mettre le paramètre A. Et pour l'instant, on n'a aucune... on n'a aucune position qu'on va lui définir. Donc pour l'instant on va mettre x, y, z. Pour le paramètre A, on va lui mettre une condition. La condition, donc on se met entre crochets, la condition c'est qu'il valide ces coordonnées là. Donc pour ces coordonnées là, c'est celles qu'on a à l'instant, et vous mettez des virgules. Vous pouvez également aussi faire x égale moins 1560, y égale 56, pardon, j'ai bugué avec la virgule, voilà. Et ici, donc c'est le Z. Vous pouvez aussi bien le faire comme ça, ça marche aussi. Mais nous, pour l'instant, on s'en fiche, enfin, ça marche pareil, donc vous pouvez le mettre ou pas, hein, ça marche aussi. Et on veut mettre un rayon de 1, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, le rayon de 1 est obligatoire pour ce type de commande. J'appuie sur Entrée, donc là on nous dit commande 7, etc. etc. Donc pour l'instant, vous voyez que l'impulsion, il n'y a pas d'impulsion, on l'a pas démarré. Donc là, si j'y rentre... ça fait rien, je peux même y rester, etc. etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Non, ça, on l'a pris ici. Voilà. Donc là, si j'y rentre, bah ça fait rien. On va même fermer ça pour faire joli. Voilà. Donc maintenant, on va récupérer une position. Mais par exemple, je vais me faire un deuxième portail. On va se faire un deuxième portail à côté du bleu, par exemple. Oups. Là, ça me fait des... j'ai un bug de souris, ok, d'accord, c'est cool, j'ai ma souris qui déconne, ça m'en pose deux, bref, c'est pas grave. Donc ici on va récupérer notre position, ici, notre position, hop, on la connaît, on se met donc en F3, et on fait pareil que tout à l'heure, on prend les valeurs entre parenthèses, donc moins 558, ensuite on prend Y, donc on prend la valeur qui est ici, et ensuite on prend la valeur de Z, entre parenthèses, moins 864. Voilà. On ferme notre portail. On va donc à notre deuxième commande bloc. Donc pas celui-là, c'est celui-là, c'est celui de l'exemple. On enlève le F3, il sert plus à rien. On efface le Y, X, Y, Z. On colle. Bon, j'ai fait un contrôle X pour couper la valeur que j'ai fait dans le chat. Et on la met dans le commande bloc. Je vais vous montrer que ça ne marche pas forcément, donc je vais dans ce portail là, ça fait rien, on s'en fiche. Là, non plus ça ne fait rien, puisque tout simplement je n'ai pas activé
mon hopper. J'ai juste à l'activer. Voilà, donc là normalement, il va valider la valeur qui est dans le command block. Donc, je vais vous montrer à l'inverse que si je vais ici, bah ça ne marche pas, puisque c'est pas ce qu'on veut. Mais par contre, si je vais dans ce portail là, avec une impulsion, bon là ça bug un peu, c'est le problème des coordonnées qui déconnent un peu. Mais on voit que je suis arrivé à côté du portail en bleu, que je suis parti de ici, que j'ai atterri ici. Alors, le tutoriel est assez simple, mais ça peut servir à certaines personnes qui ne sont pas forcément au courant des command blocks, et je suis là pour vous l'apprendre. Alors pourquoi ça fait ça? Vous voyez qu'en fait, celui-là, vous allez pouvoir le mettre à 1000 blocs d'ici, ça marchera quand même. En fait, c'est un avantage, c'est que ça vous permet de le masquer. On peut mettre, par exemple, on peut mettre ça dans une salle. Enfin, vous l'avez compris, je mets ça dans une salle. Et il n'y a rien d'apparent, ce qui fait que vous arrivez ici, tranquille. Vous voyez un portail, vous rentrez dedans, par exemple pour rejoindre une partie. Bon, ça déconne toujours autant. Et vous arrivez dans une autre salle qui vous a téléporté, etc. etc. Après, à vous d'imaginer le principe, ce système dans un de vos autres systèmes, j'ai du mal à parler, excusez-moi, d'une téléportation d'une salle à une salle, ou peut-être d'une téléportation d'un monde à un monde. Et alors par contre, ça, j'ai pas de dire bêtise, je crois pas que ça soit possible. Tout simplement parce qu'on n'a pas le paramètre world, enfin le nom du monde. Donc alors j'ai peut-être une bêtise sur ça, peut-être qu'il y en a qui le sauront, qui me diront si oui ou non on peut se téléporter d'un monde à un autre monde. En tout cas, ça vous permet de vous téléporter de certains coordonnées à d'autres coordonnées. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter à part que ça on peut le désactiver, voilà, il sert à rien. C'est juste parce que quand on rentre ici, vu que je l'ai désactivé, ça ne marche pas. Et je vous montre une dernière. Oups là. J'ai des doubles clics sur la souris, c'est chiant. Vous voyez que si je rentre ici, ça me téléporte au rouge. Voilà. C'est ainsi que s'achève ce tutoriel. J'espère qu'en tout cas, vous aurez compris le principe de téléportation avec les command blocks et les hoppers. Donc les hoppers vous permettent de faire une horloge. Le levier vous permet d'activer ou non la transmission des objets. Et de désactiver évidemment la transmission de la redstone au command block. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me commenter, à commenter la vidéo si vous avez des questions ou si vous voulez proposer des améliorations. N'hésitez pas évidemment à répondre en vidéo si vous avez des améliorations sur ce système. Après, voilà, c'est très basique, hein, vous avez deux hoppers, un levier. Bon, le levier étant facultatif, on peut ne pas le compter. Un command block et un comparateur. Évidemment, des matériaux pour vous faire les différents portails. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si vous avez aimé la vidéo. Et en tout cas, je vous retrouve le jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut !